Salut tout le monde, c'est X425, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des pièges. Et oui, les pièges, donc les pièges les moins coûteux. Alors, Attends, j'en ai fait combien là? J'en ai fait les 4 pièges les moins coûteux, donc qu'on peut fabriquer et qui sont plutôt efficaces. Même très efficaces. Donc je les ai fabriqués entièrement moi-même, sans tuto, sans rien. Juste avec mon cerveau. Hop. Et donc je vais présenter donc les pièges. Donc c'est des pièges donc, qui servent principalement, donc là, donc c'est des pièges de mine, c'est le cela. Donc c'est-à-dire que ces pièges qu'on trouve dans les qu'on peut mettre dans des mines ou même en Fallen Kingdoms pour protéger son coffre sont très efficaces, pratiques et pas chères. Donc c'est des pièges donc qui sont entourés donc de cobble, donc qui montrent en fait que c'est des pièges qui sont faits pour aller dans les mines quoi. Et après donc c'est une piège, donc ça c'est une porte d'entrée piégée que. Donc c'est un exemple de porte d'entrée piégée que je peux montrer. Et donc il y a bien d'autres pièges, je ferai encore d'autres pièges dans d'autres vidéos. Donc là je vais vous présenter les 4 là, donc c'est. Donc le lancement de la vidéo. Donc alors donc les 4 pièges là, donc je vais commencer à montrer donc. D'abord je vais commencer à montrer donc celui-là. Donc je vais passer en survie donc pour le montrer. Donc je vais mettre juste mon spawn point à cet endroit là. Donc slash spawn point. Hop. Alors maintenant je vais vous montrer donc le premier piège. Donc c'est le donc basique, je vais d'abord montrer donc que je vais mourir d'atroce souffrance. Et oui, qu'est-ce que j'ai pas pensé pour ces pauvres petits abonnés là, mourir, mourir et encore mourir. Donc alors le mec donc rentre dans la mine, enfin il est déjà depuis en train de miner, il cherche et d'un coup il tombe sur ça. Il arrive là et hop, et il finit au fond de la lave. Donc je repasse en game mode 1. Hop. Donc je vais présenter donc le piège, ça c'est tout con comme piège, c'est pas coûteux, c'est simple. Donc d'abord, il faudra donc bien sûr le saut de lave pour l'arriver. Donc si vous voulez récupérer le loot du mec en question, donc vous faut faire un trou donc assez profond, donc suffisamment pour mourir, donc faut tester par contre pour ça. Donc avec un hooper en dessous, un entonnoir, qui récupérera les loots, bon ça c'est. Pas besoin de le présenter, je pense que vous pouvez le faire vous-même, mais je vais vous montrer un peu vite fait ce que ça donne en bas. Donc si vous voulez faire un système de récupération d'items, c'est super simple. Vous prenez donc je prends le coffre piégé, mais bon, vous ne pouvez pas coffre piégé, ça ne servira à rien. Donc vous me posez donc votre coffre, vous mettez ensuite l'entonnoir. Au-dessus, donc le mec va tomber ici et va mourir. Ça marche aussi avec d'autres entonnoirs qu'on mettra à côté, comme ça, hop. Donc il tombe là, hop, et il meurt. Et les loot, vous les récupérez pour votre pomme. Donc c'est simple en fait, la personne arrive là, donc il y a une plaque de pression, donc on voit pas très bien vu qu'on est au-dessus. Donc quand on se maintient au-dessus d'une plaque de pression, on la voit pas en fait, on la voit que si on regarde. Donc avec la précipitation, le mec, il n'y a pas forcément le temps de voir le trou qui est là. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'en fait, j'ai fait ça donc d'une certaine façon pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse se dire, ah bah tiens, c'est là le coffre, ou c'est là le truc intéressant, c'est intéressant. Comme ça, il va pas aller de ce côté-là. Le côté là où il y a le distributeur. De plus, j'ai mis de la lumière pour l'attirer. Un petit peu, en fait, les pièges, ça attirait le gars vers le côté où vous voulez. Faut pas qu'il aille de l'autre côté, parce que s'il va là. Donc là, je suis en créatif, mais il aurait juste avancé là et ça aurait rien avancé, quoi. En fait, ça servait à rien. Hop. Donc, il tombe là. Une fois qu'il tombe là, bah, il se prend la flèche. Et après, il tombe dans le trou. Après, il n'y a plus rien à faire. Il est foutu. Mais bon, alors donc le piège là, c'est un piège qui est pas non plus sûr à 100%. C'est juste que le gars, il soit pas trop con, qu'il se mette en sneak et qu'il regarde bien et qu'il voit que là il y a un trou et puis c'est fini quoi. Mais c'est un piège pas coûteux et facile à faire. C'est pour ça que je le présente. Et en plus, le mec, c'est quasiment un coup sûr dans 70% des cas, même 75, 80% des cas qui meurt quoi. Mais bon, après généralement les gens ils arrivent en courant, donc c'est encore plus facile. Donc dès qu'ils arrivent là, ils peuvent pas s'arrêter forcément. Donc ils arrivent sur la plaque, une fois qu'ils sont sur la plaque, c'est trop tard, ils sont foutus. Donc 80%. Alors pour augmenter les chances que la personne aille dans le trou et meure, il faut bien sûr l'attirer. Faut pas qu'il fasse attention au trou, mais qu'il fasse attention du coup au loot qu'il pourra récupérer ou bien à la zone à laquelle c'est. Là j'ai mis donc de la pierre, des beaux trucs. Comme ça il dit oh waouh, il y a un coffre ici, génial. Et donc il avance là, il se prend la flèche et il meurt. Donc c'est un modèle, donc c'est super, c'est simple à faire. Donc je vais montrer donc sur le côté ce que ça donne. Donc là, donc la plaque de pression est juste au-dessus, ici, donc elle est là. Donc l'impulsion redstone donc descend donc ici, va dans la redstone, avance. Il arrive ensuite jusqu'au distributeur là. Le distributeur tire sa flèche et puis c'est bon.
C'est tout ce qu'il a à faire, c'est pas coûteux. Il faut quelques brins de redstone et un distributeur. Le distributeur, c'est avec de la cobble et un arc qu'on le craft. Donc c'est tout simple, c'est facile à faire. Et c'est pas coûteux. Donc maintenant, je vais montrer un modèle. Donc le même modèle, mais en un peu plus coûteux et un peu plus, disons, efficace. Donc ça se présente exactement pareil, sauf que donc là on voit ici donc toujours le distributeur, toujours la porte, toujours la lave au fond. On voit pas très bien parce que j'ai fait plus profond cet endroit-là. Mais là, hop, ça mitraille. Donc là, donc j'ai mis une cloque, ça active que quand la plaque de pression est activée. Donc je vais montrer ce que ça donne en survie. Hop. Et voilà. Donc là aussi il est efficace, mais sauf que cette fois-ci j'ai mis un système pour le délai. Enfin pour que ça recommence à l'infini, que ça mitraille de flèches. Donc le problème de celui-là c'est qu'il est un plus coûteux que l'autre, il gaspille notamment des flèches en fait. Donc si vous n'avez pas beaucoup de flèches, vous faites pas celui-là, vous faites plutôt l'autre, il est plus économique. Mais celui-là, vous êtes sûr qu'il meurt au moins. Une fois que t'as marché sur la plaque de pression, c'est pas il se met en sneak, il réussit à esquiver, à mettre là franchement il se le prend, il meurt. Donc pour non bon donc pour que ça fonctionne, donc j'ai on faut utiliser un comparateur, ou bien vous pouvez aussi utiliser une cloque plus économique, hop, comme celle-ci. Donc tout le monde la connaît celle-là. Ah, peut-être plutôt non, une autre. Je crois qu'il y en avait une qui était un peu plus bon, c'est pas grave. Donc faudra peut-être obligatoirement quasiment un comparateur en tout cas pour le compacter. Mais si vous voulez pas le compacter, donc je vais vous montrer alors comment vous allez vous y prendre. Donc on a les deux répéteurs là comme ça. Donc vous pouvez mettre alors pas de délai du tout pour le plus bon, si vous voulez que ça soit rapide, si vous voulez que ça soit long, bah vous mettez du délai. Hop, donc pas de délai. Donc ensuite donc on fait comme ça. Donc là en fait la redstone va aller dans ce sens-là et puis va revenir en arrière constamment en boucle. Ensuite un petit répéteur là. Donc celle-là est un peu plus lente. Donc ensuite pour la démarrer, on va la démarrer. Mais bon après si vous pouvez pas aller dans les heures, c'est la seule solution pour avoir une cloque. Enfin une cloque. Ensuite donc vous faites un truc comme ça, vous posez votre torche là et hop elle est démarrée. Après ça génère des lags. Une cloque comme ça génère des lags. Mais bon celle-ci génère aucun lag, mais celle-là vu qu'elle fonctionne constamment génère un lag. Ensuite, vous ne voulez pas que le distributeur soit activé tout le temps. Il va falloir donc pour ça mettre un piston collant. Hop. Donc c'est moins coûteux, mais bon, c'est juste pour les gens qui ne peuvent pas être dans le nether en fait. Donc, comme ceci. Pour avec de la bedrock, il faut mieux éviter. Pour que ça fonctionne correctement. Donc ensuite, comme ça. La roche au-dessus. Et ensuite la plaque de pression. Tout, 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 là, voilà. Donc là c'est à l'endroit où la personne marchera, hop, la personne va marcher dessus, le piston va se placer, et là donc là vous aurez votre redstone qui va continuer, et là ça va continuer à s'activer, et là le mec va se bouffer les flèches. Voilà, ça c'est la solution pour ceux qui n'ont pas accès au Nether, hop. Et donc du coup là ça prendra aussi plus de place, ça fera plus de bruit avec le piston. Et ça sera peut-être plus coûteux parce que le piston quand même ça demande une slime ball, même s'il faut juste aller dans un marais pour en récupérer. Ça demande quand même plus de temps, mais bon c'est la solution. Ensuite on va passer au piège. Donc soit il y a besoin d'être réarmé. Donc il est pas coûteux du tout, juste deux pistons. Même pas des sticky pistons, juste des pistons normaux. Mais il faut le réarmer, il faut revenir pour aller le réarmer. Contrairement à ceux-là qui fonctionnent tout seul. Donc là, la personne donc, arrive donc, dans le couloir. Donc là, j'ai mis du gravier pour que ça soit réel, pour que ce soit comme une véritable mine. Et vous verrez aussi pourquoi après j'en ai mis là. Donc le mec va marcher dessus, il va avancer, et hop, inesquivable, il va tomber dans la lave. Et il va brûler, il va mourir. Moi, je me suis mis en créatif, je peux montrer sur les vols, mais bon, c'est toujours le même principe. Ensuite, alors je vais montrer à peu près comment ça fonctionne, juste. Donc comme j'ai dit, donc faut que le système soit réarmé. Donc la plaque de pression s'enlève, le système donc se réarme à chaque fois. Donc juste. Hop, voilà.
Là, on a la plaque. Hop, je vérifie que ça fonctionne correctement. Voilà. Donc, je vais expliquer maintenant comment ça fonctionne. Donc, alors, ça nécessite pas beaucoup de redstone, donc juste de la redstone et une torche de redstone. Donc, on va pouvoir, donc il y en a le piston là. Donc, en fait, à un moment, on va actionner la plaque de pression, donc qui sera juste là. Le piston là va s'actionner. Le problème, c'est que ça suffit pas. Le mec a le temps de passer, il a le temps de gruger le système et donc d'avancer au bloc d'après. Le problème, c'est que justement sur ce bloc d'après, j'ai mis donc ce piston là. Donc, au moment où cette torche est cassée, donc en étant cassée donc, par le piston qui est là, car il, donc, il pousse le bloc qui est là, la torche ici se casse. Donc, ce qui laisse un trou donc à l'endroit là. Hop, donc je vais juste me remettre la plaque juste là. Donc la torche se casse, ici le piston se rétracte et le bloc là tombe au fond. Donc alors pourquoi est-ce que le bloc se casse au fond? Donc là juste aller ici. Donc là on a la lave basique, je vais montrer alors comment ça se fait. Alors là j'ai mis en fait, juste que j'ai juste enlevé la lave 2 secondes pour qu'on puisse bien voir. J'ai mis des demi-dalles ici, donc en fait, au moment où, où le gravier va tomber, il va se briser instantanément au fond et il va ensuite être brûlé par la lave, tout simplement. Donc juste remettre la lave. Donc pas obligé de mettre 2 seaux de lave non plus, moi j'en ai mis 2 pour la sécurité. Parce que j'aime bien que ça soit net et beau. Hop. Donc tout simple, efficace, rapide, faut juste avoir 2 pistons pour celui-là. Et revenir à chaque fois pour le réarmer. Et donc ensuite, le prochain piège ne nécessite aucune redstone, rien du tout, juste de la lave, du sable, et un fil déclencheur, et aussi des fleurs, enfin des grandes fleurs, surtout, principalement. Donc qu'est-ce que j'entends par grandes fleurs? Donc il y a un bug, depuis que les grandes fleurs existent dans Minecraft. Avant c'était les cactus qui généraient ce bug là, maintenant c'est les fleurs. Donc ça permet donc du coup de faire léviter du sable dans les airs. Donc je vais vous montrer. On met le rosier dessus, ensuite on met le bloc de sable, on casse là et voilà, on a un bloc qui lévite. Et ensuite donc c'est super pratique pour les pièges, du coup on a juste à l'actualiser et il retombe. Donc le piège là fonctionne comme ça, donc en fait dans ce piège là j'ai utilisé aussi du gravier parce que le gravier aussi se soumet à la gravité. C'est pratique. Donc avec une alternance, donc c'est un peu décoratif, j'essaie de faire un peu ça décoratif. Pour que le gars on a vraiment l'impression que c'est décoratif, en fait c'est juste un gros piège. Avec le physique qui est là, on voit pas très bien justement sur le gravier, les couleurs se confondent. Donc si le gars fait pas gaffe, bah il se le mange. Donc du coup, donc là une belle petite décoration, hop, le gars se doute de rien, il avance. Ah merde, j'ai fait un petit problème là. J'ai oublié d'enlever les rosiers en dessous. Juste j'ai oublié d'enlever les rosiers en dessous, hop. Voilà. Voilà. Donc comme ça c'est bon. Donc voilà, donc c'est réglé. Alors donc le fil là, donc c'est fil déclencheur. Au moment où on le déclenche, hop, et les blocs de sable tombent au fond. Donc vu que ça actualise les blocs en fait, ça fait quand même un petit peu une sorte de plaque de pression. Quand on marche sur plaque de pression, ça envoie un courant. Mais là en fait c'est pareil, ça envoie une sorte d'impulsion dans le bloc, et le bloc donc de sable il se dit mais merde, qu'est-ce que je fous en haut, je devrais être en bas. Et donc du coup il se met à tomber. Donc ça c'est moi qui ai merdé, c'est pas un bloc qui est toi qui m'as tombé. Hop, mais déjà faut le réarmer, donc après le gars il tombe en bas, il meurt. Alors juste moi je suis pas tombé dans le piège parce que j'ai fait gaffe, mais si j'ai pas fait gaffe. Par exemple quelqu'un qui veut aller vers la porte, il va directement vers la porte, à partir du moment où il se retrouve sur ce bloc là, il est foutu. Parce qu'il va, et s'il se rend compte, mais c'est trop tard, vu que ça commence directement à l'endroit où il se trouve, et ben, c'est la solution, ça serait de sauter sur le côté. De sauter sur le côté, ou si vous mettez de la lave, c'est réglé. Mais bon, ça fonctionne, donc je pense que les pièges là, ils fonctionnent à peu près donc, tous dans 80-90% des cas, à moins d'avoir un gars qui a pris une potion de speed ou une potion de jump, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Un gars normal, ce qui n'est pas surboosté la cocaïne, il meurt d'atroce souffrance. Hop. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour donc de ces magnifiques petits pièges. Donc je vous montrerai bientôt un autre petit piège qui est là, mais il est plus développé celui-là et ce sera pour une prochaine vidéo parce qu'il est coûteux. Très coûteux.
Donc je veux dire à la prochaine, donc like et abonnez-vous. Merci alors à ceux qui vont s'abonner ou qui sont déjà abonnés. Ça fait super plaisir d'avoir des gens qui s'abonnent et qui aiment et qui like ce que je fais, quoi. C'est super bien. Merci les mecs. Et donc sinon, bah, bonne vidéo. Enfin, bonne vidéo. Vous l'avez déjà regardé? Dommage pour vous. Alors, bah, bonne journée. Et à la prochaine fois pour le prochain tuto. Salut!